de l'Américain, toujours en tête dans cette première manche de jeu à 1. Après 5 minutes de jeu. Et vous le voyez, on a pris un petit peu d'avance dans cette partie. 5 jeux à 4 maintenant en faveur de Pete Sampras. Aucun break depuis que nous avons quitté les deux hommes à 2 jeux à 1. En revanche, quelques possibilités. Aucune balle de break obtenue par Sampras. Sanguinetti servant très très bien. En revanche, l'Italien a obtenu 2 possibilités de break. L'une au 5e jeu, l'autre au 9e jeu. Des balles de break sauvées par l'Américain. Et pour l'instant, David Sanguinetti qui impressionne sur sa mise en jeu. Il ne laisse aucune ouverture à Pete Sampras. Encore une bonne première. Et un nouveau jeu blanc avec un ace pour conclure ce jeu. Sanguinetti, décidément remarquable depuis le début de cette première manche au service. C'était son 6e ace, il égalise à 5 jeux partout. C'était mal. Sampras qui lui égalise à l'instant en ce qui concerne le nombre d'ace. Sampras qui ne s'attendait peut-être pas à une telle opposition de la part de l'Italien, en tout cas une opposition beaucoup plus forte que celle opposée hier par Bob Bryan. Parfait. Sampras qui aime bien ce type de service de droite à gauche, slicé, permet de sortir le relanceur du coup et de voler en toute tranquillité derrière. Et un service gagnant pour terminer. Toujours en tête dans cette première manche, Pete Sampras, l'Américain menant désormais 6 jeux à 5. Sampras lead 6 games to 5. Pete Sampras qui dispose de statistiques impressionnantes sur gazon, évidemment. Il a remporté, vous le savez, à 6 reprises le tournoi de Wimbledon. 6 fois vainqueur de 1993 à 1999. Une seule fois, Richard Krajicek est parvenu a enlevé le titre, c'était en 1996. Il avait d'ailleurs battu l'Américain au stade des quarts de finale. Et puis, Pete Sampras dispute aujourd'hui son 100e match sur gazon, le 100e match de sa carrière sur cette surface. Certainement le joueur en activité qui a joué le plus de matchs sur gazon. Il a remporté 85 victoires pour seulement 14 défaites. Des statistiques véritablement impressionnantes. Sampras, dont le gazon est sans doute la meilleure surface. Sit quickly, please, ladies and gentlemen. Il a remporté au total 9 tournois sur gazon au cours de sa carrière. Et dont deux fois celui-ci. Comme on le disait tout à l'heure, en ce qui concerne Davide Sanguinetti, c'est évidemment une surprise de le retrouver ici. Il jouait d'ailleurs ce tournoi du quiz pour la première fois de sa carrière. Et c'est également sa première demi-finale sur une épreuve de circuit ATP depuis qu'il avait atteint la finale de Coral Springs en 1998. On le retrouve au service Sanguinetti pour tenter de disputer un tie-break. La 15. Tout petit peu longue cette deuxième. Attention, commence par une double faute. La deuxième. Peut forcer cette première. Oh.
Eh oui, Pete Sampras qui profite de la deuxième. Et attention, Sanguinetti qui se retrouve à 0,30. Retour parfait, quasiment sur la ligne. Ah oui, il n'a pas eu le temps vraiment de se dégager sur le coup précédent Sanguinetti. Il a laissé surtout Sampras prendre le filet. Et alors qu'il n'avait eu aucune balle de break à sauver depuis le début de cette partie, eh bien au moment le plus important, le voilà avec deux balles de 7 contre lui. Ouf, la première à sauver. 30-40. Sanguinetti accompagné ce passing du regard avec un petit peu d'angoisse. Et bien voilà, première manche remportée par Pete Sampras. Le score 7-5. Pete Sampras qui aura su profiter dans cette première manche de ses seules occasions dans ce 12e jeu. Il aura suffi que l'Italien passe un tout petit peu moins de première pour que l'Américain ne remporte finalement cette première manche en 37 minutes. Promis d'être à l'heure. J'ai prévu un gigot pour l'anniversaire de ton père. Et toi, tu loues une voiture. Mais quand tu vas la rendre, cette voiture? Trouver le parking, faire la queue, c'est interminable. Tu veux rater l'avion, c'est ça? Mais tu penses à mon gigot, je suis en train de le mettre au four. Tu sais que tu me donnes des palpitations. Europcar, vous louez plus qu'une voiture. Retour au Queens. Dans la deuxième manche, dans cette première demi-finale entre Pete Sampras et Davide Sanguinetti, avantage d'une manche 0 à Sampras, le score 7-5 et l'Américain mène maintenant 2-1. Dans le deuxième set, aucun break bien sûr depuis le début de cette deuxième manche, on va retrouver Sanguinetti au service. Oui, c'est parfait. Un Sanguinetti qui semble prendre du plaisir finalement à jouer sur le gazon londonien. Il avait déjà réalisé un exploit il y a 2 ans. Et à l'époque, ce n'était pas au Queens, mais carrément à Wimbledon. Davide Sanguinetti, il faut le savoir, a déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon en 1998. Il avait perdu face à Richard Krajicek. Et il était d'ailleurs le premier Italien à avoir atteint les quarts de finale de Wimbledon depuis Adriano Panatta en 1979. Il va laisser rebondir, tranquille, voilà. Petit à petit, Pete Sampras qui est en train tout de même de mettre son emprise sur ce match. Les balles de break pour l'Américain. Première balle de break dans cette deuxième manche. Ah.
Voilà, break réussi par Pete Sampras. Un tout petit peu moins de qualité au service pour David Sanguinetti. On sentait tout de même que lorsqu'il perdrait cette qualité de première, le match deviendrait plus difficile pour l'Italien face à Pete Sampras, quand même si sûr de lui sur gazon. Et avantage 3 jeux à 1 à l'Américain. Pete Sampras actuellement 10e au classement par points de l'ATP. Il est 4e au classement technique et il sert avec des balles neuves. Avantage supplémentaire pour tenter de confirmer le break. Qualité de service nettement en hausse du côté de Pete Sampras. Il avait servi 6 aces au cours de la première manche, déjà à 7 dans sa deuxième set. En revanche, qualité de service en baisse du côté de l'Italien. Fontella. Très bon jeu de service de Pete Sampras. C'est sur un jeu blanc qu'il confirme le break réalisé lors du jeu précédent. Sampras bien parti maintenant dans cette première demi-finale, puisqu'il mène sous les yeux de Paul Anacon sur le score de 7-5 et 4 jeux à 1. Sur le clan, Pete Sampras, avantage 7-5, 4-1 à l'Américain. À droite, Paul Anacon, l'entraîneur de Pete Sampras, accompagné également sur ce tournoi par Brett Stephens, son préparateur physique, et par une jolie blonde. Cassé pour Pete Sampras au retour. Quelqu'un qui utilise toujours une tension élevée aux alentours des 30 kilos. Pete Sampras qui a réussi à faire basculer cette demi-finale en sa faveur à partir du moment où Sanguinetti a mis un petit peu moins de pression sur son service. La première s'est un petit peu enrayée, il servait extrêmement bien en début de match. Alors, c'est dehors. Oui, il n'y a plus de première chez Sanguinetti actuellement. Et du coup, eh bien, il est obligé de jouer les échanges de fond de cours puisqu'il ne suit pas sa deuxième. Il se retrouve vraiment en difficulté derrière sa deuxième balle de service en permanence. En voilà une première.
40th, I think. Et le service remporté par l'Italien. Très encouragé par le public du Queens. L'Italien qui fêtera ses 28 ans au mois d'août prochain. Il n'est plus mené que 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Deuxième double faute dans cette manche pour Pete Sampras, la sixième au total. Et deux de suite. Attention, 0-30. Ce serait vraiment le moment pour l'Italien pour tenter de recoller. Davide Sanguinetti qui est entraîné par l'ancien joueur Claudio Pistolizzi. Oui, parfait. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas lâché un retour gagnant. Sanguinetti qui a été parti du bon côté là. Sur le service de droite à gauche de Pete Sampras, il a trouvé cet angle court croisé en retour. 3 balles de break. La première est sauvée. 15 Fonte. Voilà, un petit peu flotté cette volée, mais elle est retombée sur la ligne. Et comme souvent, Pete Sampras qui retrouve sa première au moment de sauver des balles de break. Troisième possibilité tout de même pour Sanguinetti. Non. Yes. Surpris par le lift sur cette deuxième. Et trois occasions de gâcher pour l'Italien. Il n'y en aura sans doute pas beaucoup. C'est dommage. Oui, deuxième retour gagnant dans ce jeu. Et profite là encore des deuxièmes de Pete Sampras qui a tendance à servir beaucoup sur le coup droit de son adversaire. Quatrième possibilité de break. Yes. Juste une heure de jeu. Et double faute à nouveau. Troisième double faute dans ce jeu. Pete Sampras un petit peu déréglé au service là. Il offre une cinquième possibilité de break à Sanguinetti. D6.
Et c'est sauvé par un ace, c'est décourageant pour l'Italien. Le 14e. En tout cas, là, le jeu de service le plus difficile pour Pete Sampras depuis le début de cette rencontre. Advantage Sampras. Et il s'en sort finalement l'Américain, après avoir écarté 5 balles de break, Pete Sampras, qui conserve finalement son service d'avance pour mener 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Dans un instant, Sanguinetti sera au service pour rester dans cette demi-finale. Peugeot 607 HDI FAP est équipé d'un filtre à particules qui brûle l'essuie noire avant qu'elle ne soit rejetée dans l'air. Nouvelle Peugeot 607 HDI FAP. Probablement la voiture diesel la plus propre du monde. Voilà déjà un vœu d'exaucé. Retour sur le central du Queens. Et les dernières chances pour David Sanguinetti. L'Italien en a laissé passer quelques-unes dans le jeu précédent. Il a eu 5 balles de break. Il n'a pas pu revenir à 4 jeux à 3. Et ça va être très difficile maintenant pour renverser le cours de cette demi-finale. De la part de Pete Sampras. Il maîtrise à merveille le jeu sur le gazon. L'Américain, et là il est vraiment tranquille pour poser cette dernière balle. Sanguinetti qui n'aura jamais trouvé la clé finalement du service de Pete Sampras. Il a eu la possibilité dans le jeu précédent, notamment parce que l'Américain a commis 3 doubles fautes. Et même cela n'a pas suffi. Non. Un petit peu trop flotté cette approche. Faute malheureusement, le risque pris sur cette deuxième. Balle de break pour Pete Sampras. C'est terrible hein, le réalisme de Sampras. Il n'a eu qu'une balle de break dans cette deuxième manche. Il l'a converti. Sanguinetti en a eu 5. Il n'a pas pris le service de son adversaire. Et première balle de match. Ah oui, magnifique ce passing court croisé pour sauver cette première balle de match sur la ligne. Dios. Oui, ça passe.
Il va s'accrocher jusqu'au bout, italien. Et envie également de remporter un mois encore une fois sa mise en jeu. Obligé, Sampras à servir pour le gars du match. C'est chose faite. Ça c'est le jeu qu'affectionne David Sanguinetti. Il joue en contre en s'appuyant sur la vitesse de la balle adverse. Pardon. C'est ce qu'il vient de faire sur ce dernier revers. Et après avoir écarté une balle de match, Sanguinetti revient à 5 jeux à 3. Quinzième ace. Oh, quel échange! Et les retournements de situation. Le Sanguinetti, alors que Pete Sampras sert plus fort en cette fin de match. L'ace sur le premier point était à 206 km/h. Et encore un. Sur la médiane. 30-15. Et c'est numéro 16. Le 17e. Ah oui, ça, lorsqu'il a ce type d'opportunité, Pete Sampras, lorsqu'il sert pour le gain d'une rencontre sur gazon, il est rare qu'il laisse passer l'occasion. Et là, on le voit jouer un de ses meilleurs jeux de service depuis un moment. Et superbe encore une fois, cette balle de match sauvée remarquablement par David Sanguinetti. Fonte et teinte. Troisième balle de match. Retour dans les pieds et pour la deuxième fois consécutive, Pete Sampras sans difficulté sur sa mise en jeu. Alors tout à l'heure il avait commis trois doubles fautes, mais cette fois il a servi trois aces. Et cette fois c'est bien la qualité de l'Italien qui le met en difficulté. Advantage Sampras. Nouvelle chance pour Sampras, balle de match numéro 4. Et elle est dehors, un petit peu longue cette volée. Et Sanguinetti qui refuse de mourir dans cette partie. Et c'était difficile. On ne peut pas se reprocher grand chose Sanguinetti sur cette première. Cinquième balle de match.
Mais toujours pas. C'est un petit peu écroulé sur cette volée pit sans passe. En tout cas, les deux derniers jeux de service de l'Américain ont été vraiment très disputés. Sans doute les deux jeux les plus disputés du match. Tout à l'heure, il a sauvé 5 balles de break. Cette fois, c'est Sanguinetti qui a sauvé 4 balles de match. Advantage. Sanguinetti. 2 balles de break à nouveau pour l'Italien. La première dans ce jeu. Sixième déjà possibilité depuis le début de ce deuxième set. Et c'est vrai que c'était limite. Non. Dios. Ah, il s'est peut-être un petit peu trompé de côté, il a choisi le passing croisé. C'était difficile. Il y avait sans doute un petit peu plus de place en longue ligne. Sixième balle de match. Sauvé. Quel jeu, quel neuvième jeu, et Sanguinetti qui y croit toujours. Italien qui serre le point. C'est vrai qu'il a vraiment sauvé à lui tout seul au moins 4 ou 5 des 6 balles de match, réussissant notamment des retours gagnants. Left for service. Cette option, lorsqu'il sert de droite à gauche, il va sur le coup droit de Sanguinetti. L'Italien qui a été meilleur côté revers en relance. C'est donc la 7e balle de match, la 6e dans ce jeu. Et toujours pas la dernière, puisque Sanguinetti relance une nouvelle fois bien et dans les pieds. Obligeant s'en passe à une demi-volée trop difficile. Toujours ce service sur le coup droit, de droite à gauche. Qu'à chaque fois Pizzorfas reprend l'avantage. Alors 8e balle de match. Bon, si ça se trouve atteindre le même score que lors de la finale de Roland-Garros. Eh bien non, il n'y en aura pas 11 puisque la 8e est cette fois la bonne. Sur ce dernier enchaînement, service volé, victoire de Pizzorfas. Le score 7-5, 6-3. Troisième victoire en autant de rencontres pour Pizzorfas face à David Sanguinetti, l'Américain qui se qualifie pour la 4e fois pour la finale de ce tournoi du Queens après 1994, 1995 et 1999. Mais aujourd'hui, Pizzorfas aura eu une rencontre un petit peu plus difficile. L'occasion également de s'étalonner un peu plus face à un joueur qui avait déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon, qui certes n'était pas un spécialiste du gazon, mais qui connaît tout de même un petit peu mieux cette surface et surtout qui a un petit peu plus l'expérience de ce genre de match que Bob Bryan, qui avait été hier presque inexistant face à Sampras. Sampras, premier qualifié pour la finale de ce tournoi du Queens.